On est reparti encore une fois, comme l'année dernière, sur le Challenge SEAC, en maxi sprint, avec la même machine que l'année dernière, en espérant faire mieux et prendre beaucoup de plaisir surtout. C'est un Kamikaze 3 et avec une motorisation, un ER6 qui est totalement d'origine. On suit la réglementation. C'est une très bonne machine, je suis très content. Dans mon équipe, on a donc celui à qui je loue la machine, Nicolas, et son mécano, Thomas, et après donc les amis et la famille qui sont avec moi, mon petit frère, mes parents, sa copine, mon petit cousin qui me suivent sur toutes les courses. Et cette année, on est avec Alexis aussi qui roule en super sprint. Donc c'est favorable, on essaye de s'échanger des conseils et c'est plutôt pas mal. Le sprint car il y a 4 ans, j'étais mécanicien et du coup voilà, on a découvert ça comme ça, on était venu sur le SEAC et petit à petit j'en ai eu marre d'être derrière la clé et je voulais être derrière le volant. Et c'est vraiment totalement différent de tout ce qu'on peut connaître du rallye cross, on va dire du sport mécanique en général, c'est vraiment un monde à part. Et le pilotage n'est pas du tout le même, il faut être très fin, il faut être précis. Et c'est vraiment un plaisir de s'améliorer tous les week-ends, essayer de faire mieux. Cette année, on va dire que l'objectif, c'est d'essayer de finir dans le top 5. Alors c'est un gros objectif, hein, mais on va essayer avec mon équipe de faire au mieux et d'aller le chercher. Et voilà, après, prendre beaucoup de plaisir surtout. Marcolin, c'est la première fois que je roule dessus, donc c'est totalement une découverte. La découverte s'est faite ce matin au premier tour des essais chrono. Donc c'est une piste assez rapide, assez technique. Donc il y a beaucoup d'éléments à gérer. Finir troisième de chaque manche, c'est positif pour aujourd'hui. Après, la mécanique n'a pas trop apprécié. Voilà, j'ai cassé un cardan dans la deuxième manche, donc on a fini comme on a pu, mais on a quand même réussi à finir troisième. Partir sixième, finir troisième, remonter, se battre avec les mecs devant, c'était super cool et j'ai pris un pied de folie. J'ai un petit rituel le matin, où avant chaque manche, je me mets dans mon coin et j'écoute de la musique, j'essaye de me mettre un peu dans ma bulle pour éviter de trop stresser et d'être trop nerveux. Petite dizaine de minutes avant de partir, et après je coupe la musique et je mets le casque tout de suite pour rester dans ma concentration. Thank you.
L'objectif du week-end est là, c'était d'aller en finale et de prendre un maximum de points. Donc là, on y est et c'est top. Là, c'est que du bonus pour la fin de journée. Tout le monde est content parce que l'objectif est rempli, donc tout le monde est content et on attend la finale avec impatience pour voir ce que ça va donner.